film Alcest a bicicletta e in italiano Molière con bicicletta, film geografico in questo mese di dicembre. È venuta a Philippe Leguet oppure a Fabrice Dufigny l'idea di lavorare sul misantropo? C'è l'idea che... L'idée du film est venue à la suite d'une promenade en bicyclette. Je dis toujours qu'il faut se méfier quand on se promène à bicyclette avec un acteur parce qu'après, on risque de devoir faire un film avec lui, ce qui est quand même très embarrassant. L'idée est venue en seguito à une passeggiata in bicicletta. Io dico sempre che bisogna diffidare delle passeggiate in bicicletta con gli attori perché poi si rischia di fare un film con loro. Ma eravate già molto amici con. Je ne sais pas si on peut dire qu'on est amis avec Fabrice Luchini, parce que contrairement à Lambert, avec qui j'ai un sentiment d'amitié très fort, il y a quelque chose chez Fabrice Luchini qui est toujours inconfortable, comme si on passait une éternelle audition, comme si il fallait toujours prouver quelque chose, à la fois de sa sincérité et de son humeur. Non so se si può dire che con Fabrice Luchini c'è amicizia, contrariamente a quella che invece mi lega a Lambert Wilson. Con Fabrice Luchini ci si sente sempre un po' a disagio, è come se si fosse costretti a passare costantemente un provino per dimostrare qualche cosa, in particolare in merito alla sincerità e al senso dell'umorismo. Ma vorrei aggiungere che quello lo dice quando sono qui, però quando c'è il Luchini dice il contrario, si assume su di me. È vero. Quindi quando ha dovuto forzare Luchini per lavorare come succede nel film, oppure lui c'è stato subito e mi ha dato tutto liscio? Après cette fameuse promenade en bicyclette, où j'ai vu Fabrice Luchini, c'était pour le film précédent que je voulais faire avec lui, qui était Les femmes du sixième étage. Et pendant qu'on faisait du vélo, donc Fabrice s'est mis à réciter la scène 1 de l'acte 1 du Misanthrope de Molière. Et à partir de ce moment-là, j'ai vu un film. Et nous avons, au fond, à partir de ce moment que nous avons partagé ensemble, j'ai voulu partager avec lui l'idée originale de ce film. Dopo la famosa passeggiata in bicicletta abbiamo poi fatto Le donne del sesto piano e Fabrice Luchini in quell'occasione si era messo a recitare la scena 1, atto primo del Misantropo, e io ho visto in questo un'idea di un film che si formava e che avrei voluto realizzare con lui. En fait, le rapport qu'a Fabrice Luchini avec le texte de Molière, Le Misantrope, est si fort que je n'avais qu'à, au fond, m'inspirer de la passion qu'il a pour ce texte, pour écrire cette histoire et son personnage. Et Fabrice Luchini a un tale rapporto col misantropo, una passione talmente forte che ho capito che dovevo ispirarmi a questa passione per realizzare, per sviluppare l'idea di questo film e in particolare del suo personaggio. Et après que son personnage se soit imposé, il a fallu bien sûr imaginer un autre personnage qui venait le confronter. Et c'est comme ça qu'est venu le tandem avec Lambert, à savoir un acteur qui ne veut plus jouer, qui est retiré sur une île déserte, enfin sur une île qui n'est pas vraiment déserte d'ailleurs, et un autre acteur très célèbre, avec une célébrité qui est principalement due à la télévision, et qui vient le chercher pour le convaincre de jouer une pièce avec lui. Et une fois que est impostato et sviluppato il personnage interprétato da Fabrice Luchini, lui mi è venuta l'idea di creare un antagonista e quindi questo tandem con un altro attore. Luchini interpreta appunto un attore che si è ritirato ormai dalle scene su un'isola quasi deserta e invece un attore ancora sulla cresta dell'onda, particolarmente famoso per le sue interpretazioni in televisione. E in quale momento è entrata invece Maya Sansa? Dell'instant où il y avait deux hommes en présence,
surtout des acteurs. Je crois que je n'aurais jamais pu tenir la distance d'un film entier uniquement avec les deux hommes. Il fallait vraiment une femme. Et tant qu'à faire, pourquoi ne pas prendre une Italienne pour mettre un peu de lumière méditerranéenne dans ce film de l'Atlantique. E una volta che appunto la storia si è sviluppata con due personaggi maschili che interpretano due attori, mi sono reso conto che il film non avrebbe mai retto senza un personaggio femminile, e a quel punto mi sono detto: perché non un'italiana che possa portare uno sprazzo di luce mediterranea in questo film di ambientazione molto atlantica? L'une des raisons aussi per la quale je voulais une italienne, c'est que j'avais travaillé dans mon film précédent avec des actrices espagnoles et je garde un souvenir merveilleux au fond du mélange des écoles de théâtre et des écoles de cinéma différentes. Et je trouve que sur un plateau de cinéma, il y a tout à gagner à mélanger des acteurs français avec des acteurs d'un autre pays. Et voilà, c'est comme ça que l'idée d'une actrice italienne est venue très spontanément dans l'écriture. Domande? Il motivo per cui ho scelto un'attrice italiana è che nel mio film precedente avevo recitato con un gruppo di attrici spagnole, e devo dire che questa mescolanza di scuola teatrale e cinematografica diversa, quindi la spagnola e la francese in quel caso, dà un valore aggiunto a un set che ci guadagna nel mescolare attori francesi con attori di un'altra nazionalità. Mi piace il concetto della valore aggiunta. Bonjour, je vais poser une question au directeur et aux acteurs. Et j'imagine toujours que doit être un peu difficile pour un acteur et pour un réalisateur de faire un film dont les acteurs jouent la partie d'un acteur. Et donc, je me suis posé la question parce que il y a deux semaines, est sorti en Italie aussi le dernier film de Roman Polanski, La Vénus à la fourrure, qui est, bon, c'est pas la même chose de votre film, mais ça ressemble un peu de cette façon-là. Et la question, c'est, ça passe combien de diriger des acteurs, et pour les acteurs, c'est de jouer une partie d'un acteur. C'est combien quand on joue mal, on joue bien? On fait le bon acteur, le mauvais acteur. Alors, je réponds d'abord. La domanda è rivolta sia al regista che agli attori. È difficile realizzare, fare un film in cui gli attori recitano, interpretano il ruolo degli attori. È una riflessione che mi è venuta due settimane fa in Italia quando è uscito l'ultimo film di Roman Polanski, Venere in pellice. Anche in quel caso sono attori che interpretano il ruolo d'attore. C'est vrai que l'aspiration du film, c'est à la fois mon amour pour les acteurs et parfois une sorte d'irritation. Je crois que tous les metteurs en scène aiment les acteurs, sans ça, ils ne feraient pas de cinéma. Et parfois aussi, on en veut aux acteurs de leurs caprices, de leurs états d'âme, de leurs humeurs. Et, parce qu'on voudrait au fond que l'acteur soit le porte-parole de sa pensée, et ce qu'ils sont la plupart du temps. Mais parfois aussi, il faut accompagner l'acteur, lui faire faire tout un chemin dans le film pour parvenir au personnage, ou même tout simplement déjà pour avoir une réponse positive, parce que parfois c'est très difficile d'obtenir un oui d'un acteur. Devo dire che la mia ispirazione per questo film sono stati gli attori, il mio amore nei confronti degli attori, amore che spesso si accompagna anche all'irritazione. Un regista ama i propri attori, ma fa fatica a sopportare i capricci, gli umori variabili. Un regista spera sempre che l'attore sia il suo portavoce, il portavoce del proprio pensiero, e di fatto è questo anche il ruolo dell'attore, ma bisogna accompagnarlo lungo tutto il percorso per riuscire a suscitare una...